Turn up the volume of your stereo. Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero. On est là pour un autre wiki. Une autre figurine de DC. Ah, vous reconnaîtrez le t-shirt. Certains le savent déjà. Une figurine DC. Oui, oui, de Poison Ivy. Une Kotobukiya Artifex Plus de Poison Ivy. Donc la boîte est très différente. On a l'habitude de ces boîtes transparentes, excepté pour Gorilla Grodd, qu'on a eu une boîte similaire, mais la boîte était d'une dimension exagérée. Donc, ici, il y a même les trois petites feuilles sur le dessus. Donc, ne tardons pas. Passons tout de suite à l'unboxing de la figurine Kotobukiya Artifex Plus de Poison Ivy pour Gotham City Siren. Donc j'imagine qu'il devrait y en avoir d'autres qui s'en viennent. Une petite Catwoman ne ferait pas de mal. Voilà. Oh, même la plaquette est colorée. Teinte verte. Et voilà. Donc les feuilles, en réalité, on les place comme on veut. Moi, je voulais pas trop cacher son visage. Voilà. Vous voyez, de toute beauté. Wow, pour vrai, wow. Donc s'ils vont faire plus de filles, j'ai bien hâte de les voir. Des Harley Quinn, des Katana, est-ce qu'ils vont faire juste des méchantes, juste un mélange des deux, des gentilles et des méchantes en fait. Je vais acheter, c'est sûr. Donc, wow, pour vrai, même les yeux sont brillants. C'est sûr qu'elle n'a pas de métallique. Mais je veux savoir, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que vous achèteriez des figurines comme ça? Même si le prix est beaucoup plus élevé qu'un pop. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.